Tout ça va se mettre en place et on va avoir l'évolution de la politique vers ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce que l'Azerbaïdjan, c'est un concours de beauté, beauty contest. C'est-à-dire, on ne parle que de choses secondaires. Voilà. J'en parlais au Maroc, ils me disent, mais où en est tombée la France? Enfin, la France, c'est un tweet. On est lié un peu. Voilà, l'enjeu politique, c'est un tweet. C'est dur à assumer. Voilà. Où est l'universalisme de la culture française? Un tweet. Voilà, ils disent, mais où est le... Bon, oui. Donc j'en étais sur ces phénomènes de véritable colonialisme. Le leader, la bataille pour la domination des idées qui va se mettre en place avec la logique de discipline, c'est arriver à éliminer la politique, à ramener la politique à la périphérie, à ce dont le juste nécessaire pour organiser le spectacle, mais les choses sérieuses vont être privatisées. C'est la privatisation des infrastructures aux États-Unis, c'est toute la privatisation des systèmes de régulation, c'est dans les réformes de l'État, l'autonomie des agences, le New Public Management, etc. Dont on voit aujourd'hui l'échec. Tout ce truc n'a pas marché. Moi, tu leur as amené mon bouquin sur le petit public. T'as pas tout amené? Voilà. Ton éditrice et ton congé maternité. Voilà. Pas pu l'avoir. Voilà. Non, c'est chez Debouc, celui-là. Chez Debouc. Oui, mais c'est celui de Debouc que j'ai pas vu. Ah bon? Elle est en congé maternité. Bon. Au passage, vous pouvez. C'est pour ça que je vous ai mis à tous sur les courriels, etc. Je vous ai mis à tous le son site. Pour particulièrement son ouvrage de politique publique que je vous recommande à plus d'un titre, où vous savez où vous adressez. Voilà. Tout ça a échoué pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer maintenant. Tout ça a échoué parce que techniquement ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas faire de la technique. Enfin, quand on vous parle, je vous dis de bonne gouvernance, de tous ces machins-là, ça veut dire que parce qu'on a la bonne gestion, ça va donner les bonnes finalités. Voilà, tous les comptes, vraiment, la formation que je faisais des hauts fonctionnaires marocains, des hauts cadres, c'est très simple comme cours. C'est faire les bonnes choses, la politique, les enjeux, tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est quoi le Maroc de demain? C'est comment le Maroc va-t-il développer des activités industrielles? J'étais au Maroc le lendemain du jour où Carlos Ghosn est venu ouvrir l'usine de Renault-Tanger. Je dis très mauvaise nouvelle pour la France, très bonne nouvelle pour le Maroc, à condition que vous développez une politique industrielle autour de l'usine, que vous ayez une politique d'essaimage. Sinon, Carlos Ghosn, qu'est-ce qu'il fait? Dans 10 ans, il va en Mauritanie. Il va retrouver un SMIC encore plus bas, puis il sera plus près de l'Afrique noire. Donc, ayez une politique de transfert de technologies, ce qu'ils comprennent très très bien. Voilà. Donc, comment on va créer ces effets d'entraînement? Quels sont les grands enjeux? Comment rechercher des synergies? Le rôle des villes, etc., etc. Ensuite, et le rôle de l'État, naturellement. Après, ça c'est bien faire les bonnes choses. Après, on va regarder la gestion. Bien faire les choses, bien gérer. Parce que quand on fait bien les choses, on apprend. Quand on sert bien de la technologie, on apprend, on développe des produits modernes. Donc, par exemple, l'Internet dans l'enseignement, ça a révolutionné complètement l'approche. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, Eric n'aurait pas fait les recherches qu'il a fait, si on n'avait pas Internet. Comment on arriverait à passer les barrières de la langue et de la distance entre les bibliothèques? Aujourd'hui, je vais chercher des ouvrages dans toutes les bibliothèques du monde, je vais imprimer des papiers, enfin, j'ai tout, donc c'est un impact considérable. Donc s'approprier la technologie va, par effet de feedback, va permettre d'améliorer les institutions. Et puis après, il y a le bien faire, les bonnes choses. C'est comment j'aligne la gestion sur les enjeux stratégiques. Et là, je conçois des politiques. Je conçois des politiques, qu'est-ce que je veux, comment je pilote, comment j'aligne. Et puis là, on trouve des trucs ahurissants. Enfin, je vous une parenthèse, en ce moment, je travaille sur la gestion des accidents vasculaires cérébraux. On sait parfaitement traiter cette question. On peut totalement aligner le processus grâce aux technologies de l'information, puisque vous savez, sur les accidents vasculaires cérébraux, il faut intervenir entre les 4 heures, entre le moment où l'accident se déclare, et 4 heures au plus. Après, vous gardez des séquelles. Donc il faut que les pompiers, les services de secours, les services médicaux, l'hôpital, il faut immédiatement vous diriger vers un centre IRM, et vous êtes thrombolisé, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer un machin qui va dissoudre le caillot.
Et là, si c'est dans les 4 heures, vous sortez et vous allez apporter les fleurs aux pompiers. S'ils sont passés les 4 heures, eh bien, gogol. Mmh. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre quand on étudie les modèles économiques? C'est que le produit pour thromboliser, il coûte cher. C'est pas un acte côté cas, donc ça coûte cher à l'hôpital. C'est que, qu'est-ce qu'il rapporte à l'hôpital? C'est justement, quand vous avez passé les 4 heures, vous allez rester des jours et des jours, donc ça c'est exact. Et alors, super bingo, si vous avez la bonne idée de mourir, parce qu'un bon AVC, on peut revendre tous les organes. Donc voilà, jackpot. Donc là, vous arrivez, en alignant la technologie sur les enjeux stratégiques, à mettre en relief l'inadéquation d'un modèle économique avec une finalité stratégique. Et ça, c'est comme ça que vous réformez les institutions. C'est en réalisant les choses et en faisant apparaître que les institutions ne sont plus bonnes et qu'il faut les faire évoluer. Les institutions, c'est les règles du jeu. Donc voilà les grands débats aujourd'hui. Alors quelques mots sur l'Asie, avant d'ouvrir la discussion. Les Asiatiques, aujourd'hui, c'est très clair, je le rappelle à la fin de l'introduction, à travers les écrits de Kishore Mahubandi, là, qui est le recteur de l'université, le doyen de l'université de Singapour, qui explique que l'Asie, finalement, ne fait qu'appliquer les règles qui ont permis le succès de l'Occident, c'est-à-dire l'accumulation de la technologie, la recherche de synergie, le protectionnisme. Et que l'Occident a tellement voulu dominer le monde, et y a réussi, par sa propagande et son idéologie, qu'il s'est mis à lui croire lui-même, Et donc il croit vraiment, aujourd'hui, les gens croient vraiment que le libre-échange, c'est la prospérité. Demain, il y a à Bercy, il y a un truc pour la première fois, est-il dangereux de sortir du protectionnisme, un grand amphi de Bercy, avec Jacques Sapir. On interdisait d'organiser des trucs comme ça il y a encore 2 ans. On disait, on ne va pas interdire le loup dans la bergerie. Voilà, il sera entouré de tout un tas d'aéropages, de gens qui vont expliquer qu'il est fou. Bon, bon ça va être assez rigolo. Non, enfin, le fait que l'événement se déroule est important. Donc, c'est ce que disent les Asiatiques. Finalement, on reproduit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On le comprend, on l'interprète dans notre culture, où il n'y a pas de droite et de gauche, il n'y a pas tous ces trucs qui sont là pour amuser la galerie. On l'introduit dans notre histoire, pour les Chinois notamment, il faut voir que pour les Chinois, je forme beaucoup de cadres chinois, j'ai formé les cadres du parc technologique de Hangzhou, qui est au nord-est de Shanghai. Pour eux, donc c'est clair que cette prédominance de l'Occident est une erreur. Songez que la Chine existait 2500 avant Jésus-Christ. L'Europe commence à exister en l'an 1000, en gros. Donc pour eux, on est des barbares, et on l'a fait avec leur technique. Donc, et d'ailleurs, quand ils analysent les réformes de Deng Xiaoping, ça a commencé par une analyse de l'histoire. C'est-à-dire comment la Chine, qui était la première puissance mondiale à la fin du XVIIIe siècle, n'est plus que 30% au moment des guerres de l'opium, mais 1% en 1949, quand Mao prend le pouvoir. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont compris qu'ils avaient un système d'abord, ils avaient perdu l'enjeu de la technologie, ils avaient perdu le sens de la technologie. Ils n'ont jamais tellement développé le sens de la technologie. Ils ont compris le rôle de la technologie. Ils ne sont pas très bons pour gérer la technologie. Ils ont perdu leur puissance politique, d'où leur revanche vis-à-vis des traités inégaux, leur rejet de l'étranger, les diables étrangers, etc. Et qu'il fallait rattraper la technologie. Vous avez un étudiant chinois, celui-là qui enseigne, vous savez que vous demandez à un étudiant qu'est-ce qu'il va faire. C'est acquérir la technologie occidentale, honorable professeur, et pourquoi faire? Retourner en Chine et rattraper l'Occident. C'est normal, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a acquis la technologie chinoise et on a rattrapé la Chine. Donc pourquoi ne ferait-il pas? On ne peut plus légitime. Bon, mais l'important, c'est de pouvoir comprendre ça. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a très très peu de gens qui savent comprendre ça. Notamment ce qui est... on l'avait invité l'an dernier à Bercy, moi j'étais contre, mais hier j'ai organisé la critique, Israël et l'illibéralisme. Ouais. Alors ça, ce truc est sidérant. C'est-à-dire, les Chinois ne jouent pas le jeu parce qu'ils trichent avec les règles qu'on leur a imposées. On a imposé le libéralisme comme moyen de domination, les Chinois trichent parce qu'ils sont illibéraux. Et c'est sidérant, c'est-à-dire que les gens sont vraiment venus, cette classe dominante, à croire à ses propres moyens de domination.
Mais parce qu'ils vivent dans des vases clos, ils vont tous les gens à Davos, tout ça, ils se rassurent eux-mêmes. C'est comme à Bruxelles, si vous êtes à Bruxelles, c'est fini, parce que vous devez trouver des solutions aux problèmes que vous avez vous-même créés au sein d'un tout petit écosystème où vous êtes surpayé et coupé du monde, donc vous n'avez plus aucune capacité de critique. Alors c'est pour ça qu'un bon système politique, c'est un système où, eh bien, ça Machiavel avait déjà tout bien défini, où il y a du conflit, et où il y a où le grand nombre peut toujours contester le petit nombre. Là, je travaille beaucoup avec mon grand copain d'Aix-en-Provence, Étienne Chouard, sur la démocratie directe. Voilà. Je suis prof à Aix, donc j'ai toujours dormi chez Étienne, puis on refait le monde le soir. Voilà. Ça prend un temps fou, hein. Ça prend un temps fou, on se couche tard. Voilà. Donc Machiavel avait très bien compris ça, et c'est Jacques Sapir qui m'avait fait pointer ça un jour, et j'ai retrouvé la citation, c'est Guizot, dans l'histoire de la civilisation européenne, 1828, dit « Ce qui a fait, donc 20 ans avant Marx, hein, ce qui a fait la victoire de l'Europe, c'est la lutte des classes, à condition qu'aucune classe ne gagne. » Parce que s'il y a une classe qui gagne, le truc se congèle. Alors en Chine, c'est les féodaux, donc c'était le fils du fils de ciel, et puis la conception mandarinale de la connaissance, il n'y a pas eu de développement du capitalisme parce qu'il n'y avait pas de développement de diffusion de la connaissance, et donc pas d'entrepreneuriat. Et puis dans le communisme, et pareil, c'est un système totalement étatique qui n'a pas permis de développer d'entrepreneuriat. Donc ce qui est important, c'est d'avoir ce conflit. Il faut qu'il y ait ce que Machiavel appelait la capacité du grand nombre à contester le petit nombre. Et j'en trouve d'ailleurs chez Machiavel un truc très intéressant, c'est qu'il ne faut pas laisser les riches à avoir plus d'argent que ce dont ils ont besoin, les besoins vitaux. Donc, il avait déjà repéré la nécessité d'imposer au-delà d'un certain niveau de revenus, parce qu'après, ben, ils sont pris dans un système, ils ont besoin de faire quelque chose de leur argent, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont comploter. Donc il fallait... Alors lui, il avait une formule assez raide, hein, il disait l'État doit être riche et les citoyens pauvres. Une bonne république, c'est un État riche et des citoyens pauvres, mais il faut donc le comprendre dans ce sens-là. Donc voilà, des bonnes institutions, c'est ça irait là-dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est du capitalisme, le capitalisme, c'est le capitalisme entrepreneurial, c'est le capitalisme à la Schumpeter. Ce qui est basé sur l'entrepreneur. L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il voit une possibilité technologique, il fait marcher ses neurones, il invente un truc, et il est mu par le goût de l'invention. Et c'est ce que disait Francis Bacon dans Novum Organum, 1620. Ce qui fait la différence entre les nations, c'est pas les conditions culturelles, c'est pas le déterminisme culturel qui disait en termes de l'époque, c'est pas la race, c'est pas le climat. C'est la capacité, c'est l'habileté dans les arts. Les arts, voulant dire les professions, hein, comme il y avait l'art de la laine, etc. C'est ça qui fait véritablement la différence. Alors, aujourd'hui, on a des explications pourquoi le Nord s'est développé, mieux développé que le Sud. Bon, il y a eu un certain nombre de facteurs, mais ce n'est pas du tout de la théorie des climats. C'est vrai que la théorie des climats, c'est un élément du jeu, mais ce n'est pas du tout un déterminisme. Voilà. Montesquieu s'était un petit peu planté là-dessus, de même qu'il s'était planté en pensant que le commerce, la théorie du doux commerce, allait civiliser les mœurs. Ce qui était logique du temps de Montesquieu, parce que les guerres civiles, les guerres de religion étaient tellement épouvantables qu'on disait enfin il y a une passion pacifique, le commerce, qui suppose avoir des partenaires sur un pied d'égalité. Mais ce pied d'égalité n'existe que s'il y a un État puissant qui le maintient, sinon ça dégénère. Donc maintenir des entrepreneurs, un rapport à la technologie qui soit constructif, donc un niveau d'éducation qui soit sans cesse renforçant. Ce niveau d'éducation est en lui-même une composante du bien commun, parce que renforçant la capacité du peuple à participer à la vie politique, ce que Machiavel appelait le vivere politico, qui permet de passer de la plèbe, c'est-à-dire la masse du peuple inorganisée, au citoyen, qui peut participer à la vie politique. Et sur le plan pratique, avoir des politiques qui soient centrées sur la recherche d'activités à rendement croissant, la construction d'avantages comparatifs, non pas donnés par la nature une fois pour toutes, comme les avantages comparatifs à la Ricardo, où moi je reçois des tas de fonctionnaires des pays d'Afrique, où on leur dit, mais vous, votre avantage comparatif, c'est d'exporter du bois brut, et surtout, ne faites pas des meubles. Le meuble, c'est bien, ça fait chez Ikea, chez Conforama, mais non, vous, c'est le bois brut, voilà, c'est les grosses billes de bois. Bon. Donc il n'y a pas de technologie dans ce qu'ils exportent.
Donc c'est mettre de l'intelligence dans les produits, parce que ce qu'on a fait en France dans la Plastic Valley, les plasturgistes sont devenus capables de concevoir des planches de bord, donc ils ont intégré l'électronique dans la planche de bord, et ils sont devenus ensembliers. Donc le prix du kilo de plastique, du coup, puisque vous avez mis de l'intelligence dedans, il s'est envolé. Le protectionnisme, parce que le protectionnisme, le protectionnisme intelligent, c'est le protectionnisme des industries dans l'enfance, c'est-à-dire les premières années, comme vous protégez votre enfant. Moi, je donne toujours cet exemple, c'est comme apprendre à faire son enfant à faire de la bicyclette. Si vous ne mettez pas de petits trous et si vous ne lui donnez pas la selle au début, il va tomber. Donc, il y aura un enfant sur 100 qui pourra faire du vélo. Si vous n'enlevez jamais les petits trous, vous en ferez un nunu. Donc c'est l'art de lui enlever les petits trous et d'un jour de lâcher la selle et de le pousser. Donc il faut les deux. Il faut des politiques de libre-échange initiales pour accueillir la technologie. Il faut de l'investissement direct à l'étranger. Si vous n'êtes pas industrialisé, bien sûr, il faut qu'il y ait des grandes entreprises qui s'installent chez vous. C'est la politique chinoise. C'est, on dit, voilà, on est un grand marché, on a compris, on a un avantage, on est un grand marché. On est 1 milliard 400 millions. Donc si vous voulez vendre, vous les capitalistes, vous venez chez nous. Mais vous venez chez nous pas pour nous vendre des produits. Vous installez toutes vos usines, vous amenez vos meilleurs cadres et vous formez des cadres chinois. Donc ils capturent la technologie. Donc si le système était vertueux, si on avait des capitalistes vertueux, ça veut dire que dès qu'on vend quelque chose aux Chinois, on devrait comprendre qu'on est dans une logique à la Lénine où on leur vend la corde pour nous pendre. Et donc, on se donnerait un coup de pied aux fesses pour innover la génération de technologie suivante. Mais c'est le problème du capitalisme, c'est qu'il est basé sur quand même l'avarice. Ça, il faut faire avec la nature humaine. On ne sait pas faire une nature humaine autrement. Enfin, il y a des grandes tentatives de réingénierie de l'humanité qui se sont globalement mal terminées. Donc, je ne suis pas preneur d'une nouvelle expérience. Mais donc, il faut, bien évidemment, c'est là qu'il faut qu'il y ait des systèmes public et des institutions qui orientent l'activité humaine vers les activités productrices. Et on sait qu'il va y avoir sans arrêt des phénomènes de rentre et qu'un système, il est évolutionniste, c'est les grandes leçons de Schumpeter, et qu'il faut sans arrêt le critiquer, sans arrêt le remettre en cause. Et ça, il faut des citoyens vertueux, il faut, je disais Machiavel, il faut des hommes politiques vertueux, il faut que le pouvoir puisse être contesté, il faut qu'il puisse être renouvelé, il faut qu'il y ait une vie citoyenne. Voilà, il faut tout ce qu'on a plus. Merci beaucoup.